a pas mal travaillé sur des sources d'explorateurs, de naturalistes, de conquistadors, de colonisateurs pour la période 16e, 17e et encore un petit peu 18e siècle. Ensuite, c'est des sources beaucoup plus variées parce qu'il y a vraiment une pléthore de sources qui parlent de ça, des sources de météorologues, de scientifiques, mais aussi des sources politiques, des débats à l'Assemblée nationale, des enquêtes administratives. Enfin, voilà, tout le panel possible et imaginable de sources où on parle de climat, de forêt, de récolte. Donc c'est très vaste en fait. Oui, c'est ça. En substance, on a utilisé des sources dans plusieurs langues, c'est important aussi de le dire, essentiellement en français, en anglais, en espagnol, et on s'est appuyé sur des traductions pour des références surtout en allemand pour le 19e siècle. Voilà, effectivement, donc les sources étaient essentiellement celles-ci. On a eu la chance de pouvoir avoir accès à des sources administratives sur une grande enquête sur le changement climatique au début du 19e siècle. Et puis peut-être l'autre chose qui nous a vraiment servi, c'était assez étonnant malgré tout, c'était de trouver beaucoup dans les débats des assemblées législatives, dès la Révolution, de très nombreuses références au changement climatique, alors qu'on ne s'y attendait pas spécialement, et que par ailleurs ce ne sont pas des sources qui sont si difficiles que ça d'accès, et que mais voilà, personne n'était allé finalement voir ces questions. Je crois que le premier point, c'est pas tant, à mon avis, un oubli qu'on aime se raconter la prise de conscience. Je crois que c'est un peu différent. C'est-à-dire, à chaque époque, on aime dire avant, on n'avait pas trop bien compris, mais là, ce coup-ci, maintenant, on a bien compris. Ça, c'est une vieille trope qui est très à la mode dans les années 70-80 du XXe siècle, effectivement, avec cette idée qu'on est la première génération à comprendre que. On trouve ça dans la littérature officielle aux États-Unis, beaucoup, à l'ONU, avec cette idée, voilà, la décennie 70, c'est la décennie de l'environnement, ça, c'est. C'est un discours en fait assez officiel qui a été repris ensuite par des sociologues, des philosophes, pour dire à quel point on a besoin de tout repenser. Ça, c'est aussi une tabula rasa assez classique. Mais en fait, on retrouve ce geste-là dans les années 30. Aldo Leopold le fait, c'est un forestier américain dans les années 30. Il dit voilà, avant, c'est un peu n'importe quoi, mais maintenant, on a compris que. Et puis en fait, on le retrouve déjà à la fin du XVIIIe siècle. Hein, je sais pas, chez Bernardin de Saint-Pierre ou d'autres, il y a cette idée que voilà, il se passe quelque chose dans la compréhension nouvelle des phénomènes d'intrication des phénomènes naturels, le fait que la nature est quelque chose de complexe et connecté, etc. Ça, c'est vraiment une découverte qu'on n'arrête pas de refaire. C'est assez troublant, effectivement. Après, il y a une évolution dans la politisation de cette question-là, la question du changement climatique causé par le déboisement. C'est vrai que c'est très intense dans certains contextes socio-historiques. C'est particulièrement le cas en France entre, disons, la Révolution et les années 1850. Ça glisse un peu ensuite, par la suite, pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que cette intensification des débats sur le changement climatique était quand même très liée à des enjeux forestiers qui se transforment enfin, au milieu du 19e siècle. Notamment, il est admis que la forêt domaniale, la forêt que l'État possède, ne va pas être vendue, qu'elle va être conservée. Donc, jusque-là, ça provoquait des débats politiques récurrents où le changement climatique était sans cesse invoqué. Et puis il y a aussi le fait que le bois devient, enfin le rendement en fait des surfaces boisées augmente, donc on se préoccupe moins finalement d'un déboisement de la France. C'est une question qui se pose de façon moins systématique. Il y a aussi le fait que les débats scientifiques sur le changement climatique finissent un peu par une sorte d'aporie, c'est-à-dire que ces débats sont très intenses au 19e siècle jusqu'aux années 1860-70, et à la fin du 19e siècle, ils deviennent moins ardents, disons. La climatologie scientifique vraiment se structure autour de l'idée d'une description des climats qui sont perçus de plus en plus comme fixes, au moins à l'échelle des temps historiques, hein, pas à l'échelle des temps géologiques. Donc on a des mutations épistémiques, politiques, économiques qui font que on a une sorte de relégation, en tout cas ça disparaît jamais complètement, mais il y a une sorte de diminution du niveau de politisation de la question du changement climatique d'origine anthropique. Ce qui est sûr, c'est que fin 18e, début 19e siècle,
On se préoccupe beaucoup de, je sais pas, quel sera le climat dans 20, 30 ans, est-ce qu'il change, est-ce que c'est des causes naturelles, est-ce que c'est parce qu'on a trop déboisé. Ça, c'est des débats qui sont vraiment importants en France, en Suisse, dans plusieurs pays européens. Dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est sûr que la question de la disette recule dans les pays riches. Et donc, c'est moins une question angoissante et politique, quoi. Quand le gouvernement français, en 1821, lance une grande enquête sur le changement climatique, on sort de quelques années vraiment de problèmes climatiques et météorologiques graves qui ont fait qu'en Suisse, il y a eu un exode important, qu'en France, il y a eu des émeutes sur les marchés des grains, etc. Donc c'est sûr que l'abondance relative de grains, en tout cas le fait que la disette ne soit plus un risque politique énorme comme ça pouvait être dans la première moitié du 19e siècle, réduit l'importance des débats sur cette question. Mais après, je pense qu'il y a aussi effectivement, comme disait Fabien, des effets scientifiques, quoi, fondamentaux. On passe aussi la vision de la Terre comme quelque chose qui a une relative, un âge relativement court, où donc l'histoire humaine est raccord avec l'histoire de la Terre. C'est-à-dire, si vous étudiez l'évolution sur quelques décennies du climat, ça vous dit quelque chose sur l'histoire de la Terre en général, parce que la Terre, elle a quoi? Elle a 7, 10 000, 70 000 ans pour Buffon au maximum. Et à partir du moment où vous avez plutôt l'idée que la Terre, elle a plutôt des millions d'années, même peut-être des centaines, voire des milliards d'années, ça, on rentre dans une autre perspective. On se dit que ce que l'humanité fait sur l'histoire de la Terre est beaucoup moins profond, en fait, beaucoup moins important. Donc ça, je pense qu'il y a des mutations scientifiques aussi qui jouent un rôle clé. Par exemple, la théorie des âges glaciaires, qui naît dans des débats sur le changement climatique anthropique en partie, dans les années 1820, en fait, très tôt, mais qui s'impose dans la deuxième moitié du 19e siècle. On se dit bien que si par le passé, je sais pas, il y avait des calottes glaciaires qui recouvraient la moitié de l'Europe, c'est pas parce que les humains ont fait quelque chose, quoi. Donc ça déconnecte complètement l'agir humain de ces grands phénomènes qui viennent des phénomènes naturels, terrestres, et pas des phénomènes humains. Alors effectivement, la question du déboisement des changements climatiques, c'est une question qui se pose de façon très importante dans le contexte colonial. À l'époque moderne, comme on le montre dans le livre, c'est une promesse. C'est l'idée selon laquelle si on défriche les grandes forêts du Canada, par exemple, ou de la Nouvelle-Angleterre, on va améliorer le climat et donc on va améliorer finalement ces parties de l'Empire. Et c'est aussi un argument de propagande coloniale pour dire venez de France, venez d'Angleterre pour coloniser l'Amérique du Nord, parce que peut-être que vous pensez que le climat y est rude pour l'instant, mais si on a une colonisation agricole, alors ce climat va s'améliorer, et donc ça sera moins dangereux du point de vue des maladies, ça sera plus fécond du point de vue de la production agricole, etc. Donc époque moderne, plutôt promesse climatique, même si on a déjà des cas un peu assez marginaux, mais qu'on peut relever d'angoisse climatique. Mais voilà, en gros, c'est quand même un vent d'optimisme. Après, au 19e siècle, c'est encore une autre problématique. Le cas du Maghreb est un peu emblématique avec la colonisation française du Maghreb, de l'Algérie, en tout cas à partir de 1830. On a vraiment un discours de colonisation qui se structure autour de l'idée que les autochtones ont dégradé les climats et que le colonisateur doit se poser comme celui qui restaure les climats. Donc ce qui est mis en accusation, c'est l'arabe, comme disent les colons. Donc il y a un colon des années 1860 qui le dit brutalement, l'arabe, dit-il, est l'ennemi de l'arbre. L'idée, c'est que les populations arabes, depuis la conquête du Maghreb au Moyen-Âge, auraient tout dévasté par le feu, par leur amour de la guerre, par leur fatalisme, et que donc ils auraient créé finalement le caractère sec et aride de l'Algérie. Ça peut se comprendre vraiment que si on a bien en tête que jusqu'au 19e siècle, l'idée de l'action humaine sur la nature est incroyablement développée. C'est-à-dire on pense que l'homme a créé des déserts entiers. On pense que les colons britanniques pensent que le désert du Kalahari a été créé par les populations autochtones de cette région de l'Afrique australe parce qu'ils ont mal géré la nature. Le Sahara serait en partie aussi une création humaine. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre en fait, pour nous qui quand même affectons à l'homme une place un peu plus modeste jusqu'à la notion d'anthropocène. Mais en tout cas, voilà, au XIXe siècle, on vit encore dans une époque où l'homme a un agir sur la nature qui semble énorme. Bon, ce discours sur la dégradation climatique, il doit s'inscrire aussi dans un ensemble de récits de dégradation
qui marque toute la colonisation de l'Afrique et même de, et aussi de l'Asie, hein, au 19e et au 20e siècle, que les historiens ont bien décrit. C'est-à-dire, les populations locales sont accusées d'avoir ici dégradé le climat, là détruit la forêt, ailleurs complètement ravagé les populations et la faune sauvage. Donc, ces récits de dégradation de la nature, du climat, de l'environnement, ils servent en fait une cause impériale. Tout à fait, bah c'était un peu le, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre, je pense. On essaie d'entrelacer en fait la question du changement climatique, la question des rapports de pouvoir, des rapports de puissance, donc coloniaux, économiques, politiques, et puis la question aussi des savoirs, hein, avec cette idée aussi du lien entre production de savoir et production et expression de la puissance et du pouvoir. Ça, c'est notre côté, disons, foucauldien ou historien des sciences. Je pense que ça va dépendre aussi de qui parle du climat, quoi. C'est-à-dire. Un truc qu'on a documenté, c'est effectivement sous la Révolution, à partir de 1792-13, etc., il y a plein de discours sur le changement climatique. Et en fait, c'est un discours effectivement de gouvernement des populations. Comment on gouverne un peuple de paysans libres qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans leurs champs et qui peuvent couper leur bois, ce qui est nouveau. Il n'y a plus l'administration des eaux et forêts, etc., qui s'occupait de gérer ça. Et donc, il y a tout un discours de gouvernement qui est de dire, bah, si vous ne respectez pas les forêts, vous allez dérégler le climat, et donc vous allez attenter à vos propres récoltes. Donc là, c'est très clairement un discours de gouvernement. Après, par exemple, après l'explosion du Tamboran en 1815, il y a un refroidissement temporaire du climat en Europe. On a des propriétaires fonciers, des agriculteurs, qui réfléchissent sur... Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, je vois, les oliviers de Provence gèlent dans du 119, si je me souviens bien. Est-ce qu'on replante des oliviers ? On passe à autre chose. Parce que si le climat continue de se refroidir, si on pense que c'est une tendance au refroidissement inexorable, il y a différents facteurs, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Mûrier pour faire du verre à saut, je ne sais quoi. Donc il y a aussi des enjeux de gestion concrète des domaines qui sont aussi très importants. Oui, on le retrouve pour d'autres cultures, pour la vigne. Les propriétaires bordelais s'inquiètent du changement climatique dès les années 1820-1830. On le retrouve en Suisse pour les pâturages. Enfin, c'est vrai que c'est aussi un enjeu, évidemment, un enjeu économique. Voilà, en fait, c'est dans des sociétés qui sont massivement agraires. Mmh. Toute la richesse vient de l'agriculture. Mmh. C'est sûr que la question du changement climatique, c'est hyper important pour bien gérer le territoire, quoi. Je crois que c'est... Donc il y a à la fois des fois des discours pour gérer des populations, pour incriminer des populations... autochtones qu'on veut gouverner, etc., et puis aussi des savoirs de gouvernement pour bien gérer son propre territoire. Sachant aussi que, évidemment, le gouvernement, l'État, surveille de près, hein, les récoltes, puisqu'on craint toujours l'enchaînement, disette, pénurie agricole, disette, panique sur les marchés, révolte, et donc c'est un enjeu de maintien de l'ordre aussi. La question agricole, elle est bien sûr liée très, très, très nettement à des enjeux de maintien de l'ordre. Et la question forestière aussi. Hein. Bon, parmi les plus grandes révoltes paysannes du XIXe siècle, il y a des révoltes qui sont liées à des enjeux forestiers. On pense à la fameuse guerre des demoiselles de l'Ariège dans la première moitié du XIXe siècle, qui est liée à des questions de droit d'usage des communautés sur les forêts. Donc tout ça fait que c'est des enjeux inflammables pour les gouvernements. Sachant qu'il y a un lien aussi important entre spéculation sur le grain et météorologie. En 1815, il y a un discours gouvernemental qui consiste à dire... Ne cherchez pas à faire des prédictions météorologiques pour stocker au bon moment les grains, pour essayer de les revendre, etc. Il faut laisser faire le marché. Les mauvaises saisons, ça finira, et après les mauvaises récoltes viendront l'abondance. Donc il y a vraiment, voilà, je crois qu'il faut imaginer des enjeux météorologiques et climatiques infiniment plus brûlants que pour les sociétés riches contemporaines. Je pense qu'il y a un point déjà évident à faire, c'est que le discours tonitruant de la prise de conscience récente et de notre propre excellence et de notre compréhension profonde des choses, il faut le relativiser. C'est-à-dire, c'est pas tout récemment qu'on se préoccupe de la stabilité de la Terre, que c'est un enjeu ancien et que ça a pas, enfin, disons que la prise de conscience n'a pas impliqué des grandes politiques nécessairement de préservation, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire, on sait parfaitement ce qui se passe et on continue à peu près comme avant. Donc là, je crois que c'est peut-être une des premières conclusions un peu, je ne sais pas si elle est pessimiste, mais en tout cas assez réaliste à mon avis, sur ce que le savoir font sur les modes de production et la politique. Il y a tout un ensemble de conclusions. Il y a des conclusions sur les savoirs, je pense. L'idée selon laquelle l'histoire des savoirs sur le changement climatique
remonte en fait à bien plus loin dans le passé qu'on ne le pensait. Ça argumente en faveur de sa solidité, je pense. Parce que c'est pas les savoirs sur le changement climatique, c'est pas des savoirs qui ont émergé depuis 20 ou 30 ans. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est que par exemple la climatologie historique, qui est un élément du diagnostic du changement climatique causé par le CO2, a émergé au XVIIIe siècle. Elle a été l'objet de controverses qui en ont durci les conclusions, qui ont rendu avec des critiques méthodologiques anciennes auxquelles on a répondu, etc. Donc il y a une vraie solidité, une vraie ancienneté de ces savoirs. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui me semble important aussi, c'est le rapport, bien sûr, pays pauvres, pays riches, hein, pour montrer que l'Occident a depuis longtemps, avec lui en quelque sorte, produit et utilise des tropes orientalistes, des tropes sur les autres, sur les pauvres, sur les pays pauvres, qui sont censés avoir détruit la nature, qui sont censés ne pas savoir gérer le temps long, qui sont censés être court-termistes, et tout ça a servi aussi à des entreprises de pouvoir, donc ça doit nous mettre en garde. Comme d'autres, ça existe ailleurs dans l'historiographie, hein, je pense à notre collègue Guillaume Blanc qui a écrit sur le colonialisme vert, ça participe aussi, je trouve, notre livre d'une façon de se mettre devant nos responsabilités en tant qu'occidentaux pour dire, voilà, bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas lutter contre le changement climatique ou de ne pas créer des parcs naturels, mais il s'agit de bien comprendre qu'on arrive ici avec 2-3 siècles d'histoire coloniale et impériale derrière nous et que donc il faut bien sûr y penser. Et puis alors l'autre chose dont je parlerai aussi, c'est la question qui me tient à cœur de la propriété. Montrer aussi que depuis longtemps, les questions de propriété, d'organisation, de l'appropriation sont liées à des enjeux, disons, environnementaux et climatiques. Puisque dans le livre, on montre bien comment l'argument climatique a pu servir d'ailleurs aux deux camps. Hein. Donc aujourd'hui, ça doit nous inviter, il me semble aujourd'hui, à repenser assez profondément nos modes d'appropriation, les formes de la propriété elles-mêmes, pour essayer de répondre à l'enjeu climatique. Si je peux revenir sur deux formes de... Il y a un dialogue, à mon avis, important entre passé et présent. Sur la continuité des tropes, celle de l'effondrement, c'est assez impressionnant de voir que c'est les mêmes géographies qui sont encore maintenant les emblèmes de l'effondrement et qui l'étaient déjà au XVIIIe siècle. Je vous donne deux exemples. L'île de Pâques, telle qu'elle est traitée par Jared Diamond dans son livre « Effondrement ». L'idée que les populations ont trop coupé d'arbres et bêtement ont créé leur propre effondrement environnemental, on retrouve cette idée sous la plume d'explorateurs français dès 1786, très tôt. D'ailleurs, c'est les Français qui inventent ça. Des marins hollandais, anglais, quelques années auparavant, ne disent pas du tout qu'il y a eu d'effondrement. Il y a quelque chose d'assez français, en fait, dans cette idée d'effondrement climatique, ou le cas de Haïti. Haïti, qui est aussi chez Jared Diamond, mais chez les néo-malthusiens américains en général, l'emblème du pays qui a géré de manière catastrophique son environnement, ce qui crée tout plein de problèmes économiques et sociaux. On trouve ça déjà fin du XVIIIe siècle sous la plume, pour le coup, là, de gens qui critiquent la colonisation française en disant on a donné trop de permis de déforester pour planter du sucre ou je ne sais quoi. Et c'est ce qui explique la différence profonde de climat et de végétation entre le côté français et le côté espagnol de Saint-Domingue. Donc on voit l'extraordinaire continuité des fois de tropes comme ça sur des discours sur l'effondrement. Une autre forme de continuité où c'est plutôt un retour en force, c'est la question de l'arbre. Je veux dire, tout notre livre, c'est sur le lien entre arbre et cycle de l'eau. C'est pas le cycle du carbone est relativement absent, en fait. Hein. Donc la question centrale, c'est cycle de l'eau. Et maintenant, il y a des papiers intéressants, d'ailleurs, qui sortent, qui montrent à quel point, effectivement, les arbres jouent un rôle très important dans les précipitations. Et on peut le faire maintenant avec mettons 40 ans d'observation satellitaire du climat, dans le Bordelais, derrière la forêt des Landes. Ben, on voit très bien, sur 40 ans, la traînée de vapeur d'eau que produit la plantation des Landes. C'est plus connu pour les immenses forêts amazoniennes, etc., ce genre de choses. Donc il y a un retour en force de l'arbre, avec des savoirs intéressants et importants, et puis aussi avec des phénomènes très problématiques. C'est assez frappant de voir que face à la question du changement climatique, on a tout de suite dit, très bien, on va planter des forêts, de nos jours, actuellement. Hein. On a un problème de CO2, très bien, on va planter des forêts. Alors, c'est pas pour le cycle de l'eau, c'est parce que ça va permettre de stocker du carbone, mais cette idée de régénérer la nature à travers la plantation forestière, alors ça, c'est une vieille trope qu'on retrouve depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est très présente dans les mondes coloniaux au XIXe et au XXe siècle, et on n'a pas encore quitté ça dans plein de domaines, quoi, avec cette idée de grandes murailles vertes contre la désertification, etc. On a une très forte continuité comme ça de la place de l'arbre comme grand modérateur des climats et de l'environnement, je crois. D'ailleurs, c'était une de nos surprises. En fait, finalement, quand on a commencé le livre, on ne pensait pas parler autant de forêt, je pense. Et en fait, à mesure qu'on écrivait le livre, la forêt s'est repolitisée, en fait.
On a vu émerger de plus en plus des discours politiques sur la forêt, sur les forêts à défendre, sur les forêts à réensauvager, sur la question l'importance de la forêt. Enfin, donc en fait, on a cheminé en fait avec cette repolitisation. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu énorme, hein, avec des gens qui achètent des personnes privées qui achètent des forêts en France pour les enclore, avec à la clé d'ailleurs des conflits avec les autres usagers. Et puis un grand discours effectivement de 1 million d'arbres à planter, un milliard. Les enfants doivent planter des arbres. Enfin, c'est tout un discours. C'est marrant parce que finalement, le président Macron a dit il faut que chaque collégien aille planter son arbre. En gros, bon, évidemment, ça ne vient nulle part. Mais en fait, François de Neuchâtel, en 1797, propose déjà la même chose. Alors, c'est pas des collégiens, mais il faut que les enfants plantent des arbres pour comprendre le lien entre arbre et climat, pour respecter l'arbre, etc. Enfin, des fortes continuités, y compris dans le discours politique sur l'arbre, depuis l'arbre de la Révolution jusqu'à Macron.